Vous jouez avec les codes. Alors... Vous êtes une pute. Je vais vous demander... Il dirait ça, hein. Et là, elle serait très gênée. Et là, elle dirait... Monsieur, je vais vous demander d'arrêter de me poser ces questions. Je vais vous demander de me respecter. Je vais vous demander de savoir faire la part des choses entre la théorie et la réalité. Et que je vais vous dire que on peut défendre un point de vue sans pour autant l'incarner. Et quand on défend un point de vue, c'est parfois qu'on en est victime. Et... Ouais, en vrai, Charles Aznavour, j'aime beaucoup sa vision des choses, en fait. C'est vrai que quand je travaille pas pour du bénévolat, t'as vu. Enfin, je veux mon dû parce que je travaille. Mais c'est pas pour ça que je me lève. C'est pas une fin en soi, en fait, l'argent. Au début, je fais du rap, c'était pour kiffer, pour faire kiffer les autres. Mais puis après, s'il y a l'argent qui vient, il y a l'argent qui vient. Ma relation avec Verlaine. Alors... Oui, ça a été beaucoup critiqué, c'est vrai. Ça a d'ailleurs fait que nous sommes partis vivre à l'étranger, nous sommes partis à Londres vivre ensemble. Ça a eu beaucoup de critiques, on a eu beaucoup de problèmes avec sa femme, bien évidemment. Mais je pense que notre relation a fourni quelque chose qui m'a permis d'écrire des poèmes que je n'aurais pas pu écrire sans cette relation incroyable qu'on a eue ensemble. Après, oui, bien évidemment, il y a eu des moments très difficiles. Je pense, autant pour lui que pour moi, je veux dire, je n'étais pas forcément quelqu'un de bien. Il est allé dans un bar à Buenos Aires et il revenait d'une grande expédition. Et il a rencontré une femme avec ses amis. Et il lui a dit, il l'a invité à faire un petit tour sur son avion. Et il a réussi à la mettre à côté de lui, à fermer le rideau pour être seul avec elle. Et d'un seul coup, il a arrêté le moteur et il lui a dit « Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. Il me l'a dit, il l'a promis dans la vie. C'est peut-être pas exactement ça qu'elle dit. » Une chaise pour l'impasse, s'il vous plaît. Alors, cette interview n'existe pas, mais elle ressemblerait à ça. Bonjour, l'impasse. Antoine. Pourquoi l'homme pâle, déjà, il dirait ça? Pourquoi l'homme pâle? Il répondrait un truc du style... mes potes se foutaient de ma gueule parce que... En fait, il avait la voix dans la gorge, il parlait avec la gorge. Je sais pas pourquoi, il timbrait dans la gorge. Enfin, il élevait pas la voix, quoi, il s'en foutait. Je sais pas, limite dans ses chansons, il met plus d'énergie, quoi. À 4h48, happy hour, quand la clarté fait sa visite. Je ne connais aucun péché, c'est la maladie des grands. Ce besoin vital pour lequel je mourrai, être aimé. C'est le final, personne ne parle. Validez-moi, observez-moi, voyez-moi, aimez-moi. La phrase finale, le point final. Je n'ai aucun désir de mort, aucun suicidé n'en a. Regardez-moi disparaître, regardez-moi disparaître. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez. Je ne pense pas que la sexualité des femmes soit plus vagabonde que celle des hommes. Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si elles ont le droit de la liberté, si elles sont capables de responsabilité. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, telles des chiens qui nous promènent de telle heure à telle heure. On ne nous donne pas le droit à notre autonomie. L'autonomie de notre corps.
Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Toutes les femmes le savent, il est bien plus traumatisant d'élever des enfants que de se faire avorter. Chaque femme devrait se faire avorter selon son souhait. Marguerite Duras veut te voir. Je connaissais pas Marguerite Duras. Bon, voilà. Je sonne. J'attends. Et puis elle m'ouvre. Petite femme comme ça. Puis elle va au fond de la pièce. Puis, avancez vers moi, avancez vers moi. Donc j'avance. Puis j'avance comme on faisait chez Claude Régis. Là. Enfin voilà, moi j'avance comme ça chez Claude Régis. Et puis j'avance, mais sur elle, j'étais sur elle. Et arrêtez! Non, vous me faites peur, vous me faites peur! Est-ce que vous auriez une phrase que vous retenez de ces deux acteurs que vous voudriez nous partager? Je commence. Alors, pour ma part, ce serait les malheurs, les gens les retrouveront bien assez tôt. Le rire, on en aura toujours besoin. Ce qui est vrai. Moi, c'est dans une interview où il y a un journaliste qui lui fait remarquer qu'aujourd'hui, la mode est de se faire passer pour un intellectuel et que la mode est aux intellectuels. Et il lui dit, mais vous, Bourville, on n'a pas l'impression que vous essayez de jouer aux intellectuels. Et il lui répond juste, oh, c'est-à-dire que je suis vraiment loin d'être un intellectuel, alors si moi je m'y mettais, on s'en rendrait vite compte que je ne le suis pas, alors bon, moi je reste comme je suis. Les gens, ils ne connaissent pas Natacha, mais c'est mon coach. Elle a fui l'Allemagne pendant la guerre mondiale, et du coup, pour gagner sa vie, elle m'aide et d'autres artistes à jouer, à atteindre une sincérité. Et du coup, Natacha, elle est là sur le tournage. Et quand on filme, on crie « couper » et je vois que Natacha, elle me fait un signe, elle fait ce signe-là. Et si elle fait ce signe-là, moi je dois dire qu'on doit reprendre la prise, parce que la prise n'était pas assez bonne et qu'il faut qu'on la refasse, que je n'étais pas assez bien et qu'il faut qu'on recommence. Ça m'a fait un choc, et j'ai dit bon. J'y ai réfléchi longtemps avec Michel, mon mari Michel Berger. On est rentré en France et on s'est dit non, on ne peut pas le garder. Et puis on est revenu, on a revu cet enfant et cette femme, et on a trouvé un moyen de l'aider à trouver un métier. Et on revenait régulièrement voir cet enfant. Cet enfant, c'était Babacar, d'où la chanson Babacar. Ce que j'ai voulu faire, en fait, avec cette association, c'est juste aider les personnes à comprendre à quel point l'éducation était importante et à mettre en avant tout ce qu'il y avait à faire dans le monde pour aider ces enfants. Par exemple, je vous le dis comme ça, pourquoi est-ce que le Parti communiste prend de l'argent quelque part et s'en sert pour acheter des choses? Qu'est-ce qu'ils achètent? Ça, c'est une chose que les jeunes aimeraient savoir. Et autre chose aussi, pourquoi on nous dit que les salaires diminuent, que les salaires ne vont pas diminuer, alors que pourtant, nos impôts augmentent? C'est une question que les jeunes se posent. Mais je vous assure que l'affaire Marché, on s'en fout. On n'en a rien à faire. Pareil, vous parlez de ministre tout à l'heure, monsieur le Président. Mais très honnêtement, le ministre de la Jeunesse, c'est monsieur Soisson. Monsieur Soisson, excusez-moi, regardez comment je suis habillé. Les jeunes, ils sont beaucoup plus souvent habillés comme moi que comme monsieur Soisson. Il faut être réaliste. C'est un métier, ça, ministre. Et puis, même en vous écoutant, j'ai toujours pris mes notes et je me suis posé des questions, et des questions importantes dont les jeunes aimeraient avoir la réponse. Qui loge ces clandestins, les immigrés clandestins, à 700 francs le mois pour vivre dans des taudis, dans des poubelles? C'est ce que j'aimerais savoir. Aussi, j'aimerais juste, parce que j'ai peu de temps de parole, mais j'aimerais passer ce message-là. J'aimerais juste vous dire, je pète peut-être plus haut que mon cul en disant ça, mais je pense que j'ai besoin de vous faire cet avertissement, monsieur Mitterrand. Les jeunes, aujourd'hui, ne se retrouvent plus dans la politique. Et je dirais que pour la plupart, et pour les raisons qu'ils évoquent, je suis d'accord avec eux. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que si ça continue comme ça, si on continue
à ne pas les écouter, eh bien, la jeunesse va finir par vriller. Et quand je dis vriller, ça veut dire qu'elle va faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, et elle sera obligée de les faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, monsieur Mitterrand. Et puis, il y a toujours cette question en toile de fond. Pourquoi est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on reste en vie? Laurent Godet veut une poésie du monde. Une poésie qui voyage, qui prenne des trains, qui plonge dans des villes chaudes, des labyrinthes de ruelles. Une poésie moite et qui transpire. Un peu comme la vie de l'immense majorité des hommes. I want to apologize to all the women I have called pretty before I've called them intelligent or brave. I am sorry I made it sound as tough, something as simple as what you're born with is the most you have to be proud of when your spirit has crushed mountains. Je voudrais m'excuser auprès de toutes les femmes que j'ai nommées jolies avant de les nommer intelligentes ou braves. Prépare pas parce que ça permet d'être vrai, ça permet dans l'instant d'être toi, et donc c'est génial, j'ai rien préparé mais du coup j'ai super peur. Si je vais dire que la nuit je rêve beaucoup et parfois je fais des cauchemars, et il y a un cauchemar qui revient souvent, c'est que je me retrouve sur une scène, il faut que je fasse un truc. Et les gens me regardent, ils attendent quelque chose de moi mais moi je sais pas ce que je dois faire. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Il faisait ça souvent dans ses chorés. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah.